Eh bien salut à tous, c'est Pegelman, comment allez-vous? Moi ça va tip top, comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review sur une souris qui possède énormément de qualités. Je pourrais limite dire que c'est certainement la plus belle et performante souris bureautique polyvalente que Logitech ait pu concevoir. Son nom est MX Master, elle succède à la très bonne MX Revolution et également à la MX Performance. Cette souris MX Master va apporter un lot de nouveautés non négligeables qui s'avèrent bien plus qu'appréciables. Leader sur le marché bureautique et commence à reprendre une bonne place dans le milieu du gaming, le constructeur Logitech a su s'imposer comme il le faut dans ses milieux afin de proposer des produits attrayants qui ont toujours su répondre aux besoins des consommateurs. Il est temps de déballer notre petit bijou et de prendre en main la nouvelle souris du constructeur suisse. Souris, câble USB, dongle USB Unifying, il y a tout ce qu'il faut pour bien démarrer avec la souris, mais avant de commencer à la tester, nous allons voir un peu à quoi elle ressemble. Fier d'annoncer que lors de la conception de la souris, le constructeur indique fièrement que son design a été sculpté à la main par ses ingénieurs. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ensuite la vidéo officielle du fabricant. Sans fil ou en Bluetooth ou câblé, la souris s'offre énormément d'atouts. La nouvelle molette de la MX Master est limite une fusion de toutes les bonnes idées de molette de la marque, c'est-à-dire que pour faire un défilement rapide, il suffit simplement d'actionner la molette rapidement, ou si vous voulez un défilement cranté, il faut actionner doucement la molette et le tour est joué. Logitech place non loin du pouce une deuxième molette afin de faire un défilement horizontal. Elle possède le même design que la molette principale de la souris. Contrairement à la molette principale, celle du pouce est non cliquable. Deux boutons, précédent et suivant, sont juste positionnés à côté de la molette du pouce. En installant le logiciel Logitech Options, vous allez également pouvoir configurer les boutons de la souris et aussi le bouton de geste qui se trouve sur la zone de pouce. Il vous permet d'optimiser votre navigation sur votre bureau. Ce qui fait fonctionner au mieux les souris haut de gamme de Logitech, c'est leur capteur. On se retrouve donc avec un nom bien connu pour les connaisseurs, le capteur Dark Field. Celui-ci vous permettra d'utiliser la souris sur un grand nombre de surfaces possibles et même sur des surfaces brillantes ou bien vitrées. Par contre, si la surface vitrée est trop transparente, le capteur aura un peu plus de mal. Après, je pense qu'une grosse majorité d'entre nous est capable de concevoir des tapis de fortune. Par contre, ce qui fait la force de la souris MX Master, c'est sa grande flexibilité et adaptation dans X environnement de travail, c'est-à-dire qu'on peut basculer d'un PC en Unifying à un Mac en Bluetooth ou d'un Mac à une tablette Surface Pro 3. C'est ce que le constructeur Logitech nomme Lazy Switch, il suffit d'appuyer sur le petit bouton où est inscrit 1, 2 ou 3 pour passer d'un mode à un autre. Très pratique. Logitech garantit que la souris en mode sans fil fonctionne jusqu'à 40 jours, ce qui est très bon, et ils garantissent qu'une charge de seulement 4 minutes suffise pour tenir toute la journée. La batterie se charge en moins de 4 heures. Il est par contre très dommage que le constructeur n'ait pas encore intégré un dongle universel qui fasse également Bluetooth et Unifying. Il faudra que votre ordinateur en soit équipé si vous voulez l'utiliser. Il est clair que maintenant, la grosse majorité des machines portables ont du Bluetooth, mais faudra s'équiper pour les anciennes machines. La Master MX m'a énormément surpris, en premier lieu par sa beauté qu'elle dégage. La souris est super élégante, il faut l'avouer, et vraiment très agréable à prendre en main. Sauf que le constructeur ne pense toujours pas au gaucher, je pense que tous les ingénieurs chez Logitech sont droitiers. On peut également souligner que vu la flexibilité de la souris à être utilisée dans X environnement, il est étonnant que le constructeur n'ait pas pensé à nous offrir une housse de rangement aux abonnés absents. Pas de socle de rangement pour recharger la souris, et aussi pas d'endroit pour ranger le dongle Unifying, un choix plutôt étrange pour une souris dit haut de gamme, mais cela n'assombrit pas totalement le tableau de cette magnifique souris. C'était Pegelman et j'espère que vous avez apprécié de découvrir avec moi cette très belle souris MX Master. C'est pas encore la souris parfaite, mais on n'en est pas loin. De mon côté, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!